Bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Kero. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 9 de mon Let's Play sur Outlast 2. Donc voilà, j'espère que ce Let's Play vous plaît toujours autant. Et l'épisode dernier, waouh, c'était une nouvelle fois horrible. Je pense que là, niveau level là, de stress, là, on a passé un gros palier là. Je pense que là, ouais, c'était vraiment horrible cet épisode dernier, surtout au niveau de l'école et tout. J'étais vraiment en flip, je tremblais de partout. C'était un cauchemar quoi, cet épisode. Et là, je pense que dans cet épisode aussi, on va crier parce que on a atterri. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a atterri, voilà, ici dans cette forêt après être tombé d'un des de sorte de chemin de fer, enfin je sais pas, on était en direction de, voilà, on était tombé de là et puis on était en direction des mines. Alors, je vais peut-être éteindre le temps de, voilà, je vais mettre comme ça, voilà, direction la lune. En attendant de vous parler, voilà, on était en direction des mines et puis on est tombé d'ici. Et ouais, on était passé par l'école, donc voilà, je sais pas si c'est une autre dimension, un souvenir qu'on a et tout, mais c'est assez bizarre. Je pense qu'on aura peut-être plus d'infos plus tard, je sais pas. Ouais, donc je sais pas si c'est une dimension, si c'est un rêve, un cauchemar, enfin voilà, c'est Outlast, hein, tout simplement. Il se passe des choses très étranges. Et ouais, on était retourné dans l'école, il y avait ce monstre noir là, ce truc bizarre là qui nous courait après. On avait dû faire une énigme avec le pendu et tout, et pour s'en sortir de là. Et ouais, désolé pour vos tapants. J'avais encore crié et puis ouais, c'était vraiment franchement très très horrible cet épisode. Et ouais, juste avant, il y avait aussi Martha qui nous courait après. On avait dû déverrouiller l'accès avec le crochet là pour déverrouiller la porte et tout. Ouais, c'était vraiment un épisode assez galère, assez cauchemardesque. Mais bon, c'est comme ça. C'est Outlast. Je me suis embarqué là-dedans. Je peux plus m'en sortir. Ça y est, c'est foutu. Donc bah écoutez, ouais. Et puis on était à terre ici. Puis il y avait des. Je pense que c'est les hérétiques qui s'appellent comme ça, qui étaient là. On était suspendu. On était pendu. Et puis ils étaient là. Donc c'était assez bizarre. Il avait un gros ventre et tout. Et puis il avait une tête assez chelou, je crois. Et ouais, là, je vous avoue que je suis un petit peu, je flippe un petit peu d'aller dans cette forêt, parce qu'il va falloir trouver un autre accès pour aller jusqu'aux mines. Bah écoutez, on est parti les amis, et je le sens pas du tout quoi. On va avancer, on va essayer de faire gaffe. Alors déjà, est-ce que c'est par là qu'il faut aller? Ça m'a l'air peut-être plus d'aller par là, je sais pas, non. Sentais que je vais me perdre là-dedans dans cette. Quoi? Se cacher? Pourquoi tu veux que je me cache? Pourquoi tu veux déjà que je me cache? Ça y est, déjà ça va partir en couille, tu vas me dire. Quoi, quoi, quoi? C'est quoi cette musique? Oh! Non, non, pas d'entrée là. Oh! C'est quoi ces violons? Il se passe quoi là? Non, 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 pas d'entrée. Laissez-moi un petit peu le temps de me chauffer un petit peu là. Hein? Oh putain de ça. Quoi, quoi, quoi? Je t'en dis. Quoi? C'est qui fait du tam-tam là? Putain. Ouais, je vais pas aimer cet épisode encore, je vous le dis. Hein. Donc ça risque encore d'être un gros épisode. J'entends des bruits. Ouais, donc vu que ça va être le seul épisode de la semaine qui sort jeudi là. Donc voilà, ça risque d'être encore un gros épisode. J'espère que ça vous fait plaisir quoi, pour ramper. Ah, d'accord. C'est quoi ces sifflements bizarres là? Oh putain, il faut changer la batterie vite. Dépêche-toi. C'est bon, je peux me relever? Oh, c'est quoi cette musique là? Oh! J'entends des bruits! Oh! C'est quoi ça? Il se passe quoi là? Je vous dis qu'on est toujours aussi à la recherche de notre femme, Lynn. Ah, il y a une note ici. Oh! Oh, j'ai peur! Il y a trop de bruit! Oh, il y a une pile. Vas-y, ramasse. Allez, vas-y, lis. Dépêche-toi. Ah, petite pause. Ça fait plaisir, une petite pause de lecture à chaque fois. Cette larve a pris ses bénédictions pour une maladie et a essayé de partir et je l'ai brisé. Ne répétez pas ses erreurs et ne commettez pas ses péchés. Dieu et son prophète vous aiment. Ah mais j'ai pas aimé hein. Il y a trop de bruit chelou dans cette forêt. Vivement qu'on se casse de.
Faut aller où là? Ici? What? Faut monter, non? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut sauter sur les rochers là? What the fuck? J'ai dû louper un truc, c'est pas possible. Par contre les bruits là, j'aime pas. Là, on l'avait vu, ok. Attendez, il y avait une lampe torche, on peut pas la prendre ça? Non. Ouais, où est-ce qu'il faut aller là? C'est des bruits chelous, j'aime pas. Ah, d'accord, ok. Vous faites passer dans des endroits là. C'est sûr que c'est là qu'il faut aller. Je suis bugué là. C'est pas par là qu'il faut aller. Je suis coincé. Non, c'est bon. Faut aller où là? On peut monter là-dessus? Ah ouais. Ah bon, je pensais pas qu'on puisse monter là-dessus. Pourquoi pas. Allez, vas-y, change la pile encore une fois. Sauvegarde. Non. Ça va nous tomber dessus. C'est sûr. Eh bonjour madame. Ou monsieur. Ou je sais pas qui vous êtes. Mais me sautez pas dessus s'il vous plaît. Ça bouge. On se connaît pas donc me sautez pas dessus. Je veux pas de câlin, hein. Soyez sympa. Ah! Putain de ta mère! Ah! 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 Putain aussi la musique là m'a fait flipper là, putain! Oh doucement! Oh désolé d'avoir crié encore mais. Oh putain! C'était quoi ça? Relève-toi là. Oh mon dieu! Eh mais vous me faites. Vous me faites passer assez à de ces. Oh y'a un truc qui va nous attendre de l'autre bout. Oh! Y'a quelqu'un qui tape! C'est qui? Oh doucement! Oh c'est qui là? C'est les hommes arbres, je sais pas c'est quoi là. Oh, y'a un truc là. Oh, ça filme. C'est quoi? Il y a marqué quoi? Je sais pas, j'arrive pas à lire d'ici. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Ils sont tous malades ici. Ah oui, ça tu l'as dit. Ces gens pourrissaient avant qu'ils soient assassinés. D'accord. Y'a pas un truc là-bas? Ah non, c'est un arbre, je crois qu'il y avait un truc. Alors attendez, on va s'approcher. Oh, merde! Il doit bien y avoir un autre chemin. Si. Sickness. Bon moi l'anglais vous savez ça fait deux. L'Iceman il va traduire en 2 secondes, lui, tac, claquement de doigt. Moi je. Alors God bless. C'est Dieu. Dieu est blessé, je crois. Ça doit être ça. Je sais pas du tout. Ça se trouve c'est pas ça. Me tapez pas. Il faut trouver un autre accès. Bah let's go. C'est un petit peu dangereux ici où est-ce que tu passes, y'a pas des piles qui traînent, non? Ah ouais, tu te casses la gueule, ouais. C'était sûr ça. Bonjour. Ah, une note. Oh, côté d'un cadavre et tout. Sympathique. Très sympathique, n'est-ce pas?
Alors, qu'est-ce que ça raconte ça? Bienvenue dans ce lieu de guérison spirituelle. Ouais, t'es vachement guéri, toi. Ça se voit que t'es en forme, là. Hein. vous avez peur et vous êtes. Oui, j'ai peur. Et vous êtes malade. Comme vous devriez l'être. Mais par contre, je suis pas malade. Malade, mais bon, merci de prendre mes nouvelles. Pardon. Et vous êtes rempli de honte. Vous avez raison de l'être. Vous savez que vous ne seriez pas ici en l'absence de vos propres péchés. Mais je peux à nouveau vous rendre. C'est quoi ce bruit? Oh putain. J'ai entendu un bruit que j'aime pas là. Ah, attendez, j'en étais où? De vos propres péchés, moi je peux à nouveau vous rendre merveilleux et pur. Lorsque cette maladie s'est répandue pour recouvrir Toppengate de sa croûte, Papa Knot, dans sa sagesse et sa bonté, l'a reconnue comme la fiction spirituelle qu'elle était. Ne croyez pas ceux du monde extérieur, les malhonnêtes et les effrayés qui vous disent que vous êtes atteint de syphilis ou de gonorrhée. C'est des mots bizarres. Jamais entendu ça. Ou tout autre mensonge. C'est une maladie de l'âme et seule la purge de votre âme vous permettra de retrouver votre santé. Restez vrai, restez obéissant envers Dieu, envers Papa Knot et en particulier envers Laird. Je ne sais pas comment ça se prononce, son diacre. Dieu et son prophète vous aiment. Ok. Par contre, j'ai entendu un bruit. Ah, déjà, on va. Oh non! Non, non, non! Faut des piles, vite! Vite, vite! Eh, c'est mort, j'avance pas sans piles là. J'ai plus de piles. Comment je fais? Faut des piles! Oh! Il y a un truc là. Non, 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 non. Eh non, j'ai plus de piles! Comment je fais? Ah, ça va, c'est assez éclairé. Il se passe quoi là? Oh! Vous êtes qui? Madame? Vous allez bien? Ou monsieur? Quoi, quoi, quoi? Non? S'il vous plaît, j'ai plus de piles! Vous faites des bruits chelous! Vous êtes malade? L'île de Sandra, sauterelle. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était fait attaquer par des. Pas des sauterelles. Sur la. Qu'on allait vers les mines là. Qu'on est tombé. J'ai pas trop envie de m'approcher. Je veux juste des piles. Je veux des piles, c'est tout. Vous me laissez tranquille. Oh, bonjour. Non. Je veux des piles, s'il vous plaît. Là, oui. Attends, je ferme. C'est pas une bonne idée de fermer, mais je veux juste. Voilà la pile. Recharger, vas-y. Vite. Recharge-moi ça. Ah, ça va mieux déjà. Ça va beaucoup mieux là. J'étais pas rassuré du tout là. Oh putain, c'est dégueulasse. C'est un petit peu le bordel chez vous, madame. Oh putain, c'est dégueulasse. Quoi, quoi? Oh! Oh! Non! Je ferme la porte. Au revoir, madame. Merci de m'avoir accueilli chez vous pour la pile. Mais je m'en. Quoi? Oh! Non! Ah! Il me vomit dessus! Dégage! Ah! Quoi? Oh! Non! Ah! Ah, c'est. T'es dégueulasse! Non! Laissez-moi! Au secours! Il m'a vomi dessus! Je pue maintenant! J'ai plus vomi à cause de toi là! Ah mais. Ils sont tous malades en fait ici! Non! Oh! Non, 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 non! Non, non, non! Putain, mais qu'est-ce que vous. Laissez-moi! L'autre il m'a. Il a voulu me planter, il est parti, il a pédé, va. Viens ici, viens te battre. Viens te battre, c'était un homme. Il y a un truc là. Ah mais c'est où on était tout à l'heure ça je crois. Oh non, il y a une pile. Attendez. Ah, je sais pas ce qu'ils ont ici là mais.
sont tous malades, ils sont tous pas bien. Il y a une note. Oh putain, cet épisode, je vous ai dit là, c'est... Oh, chapitre 9. Et la main du Seigneur a étreint les racines de mes entrailles, placé un crochet dans ma mâchoire, élevé mes os de la Sion morte et de la merde des portes de publicains. What the fuck? Et dans l'obscurité des ténèbres extérieures, je suis devenu un nuage qui a recouvert la terre et vu de nombreuses choses. J'ai tourné mon esprit vers le passé, désolé, où l'histoire du Seigneur aurait dû être écrite. J'ai tourné mon esprit vers le présent enroulé, ignominieux, d'un grand prophète battu et sur lequel on a craché comme sur un bâtard galeux. Enfin, Dieu tourna mon esprit vers l'avenir, un fardeau sombre et merveilleux de sa gloire contre les païens de ma lame sur la gorge de l'antéchrist enfant, de mes enfants ivres du sang et de ceux qui empoisonneraient les paroles du Seigneur. Et là, je me suis envolé comme les corbeaux qui parcourent 600 km vers l'ouest à travers la terre des Akoma et Coyotero, Zuni, Opi et Havasupai. Havasupai, ça... Ah, mais c'est ça la ville, je crois, Havasupai. Elle avait dit, Olin, au début du jeu, je crois. Moi, je crois que c'est ça, la ville, Havasupai, que considère le déluge de Noé comme l'œuvre d'Okomata. Et au-delà de la blessure d'Okomata qui fendit cette sion échouée, Dieu m'a placé sur une des très hautes montagnes qui était le corps d'une ville à l'ouest, et le Seigneur dit, couvre ton œil incirconcis, que tu puisses vraiment voir... J'ai mis ma main sur mon œil immaculé, le Seigneur déversa sa vision dans mon orbe saignant et fendu comme l'homme qui répond sa sémence dans le sexe fendu d'une femme épanouie. C'est n'importe quoi ce jeu. J'entends des bruits aussi chez moi, ça me rassure pas. Il me dit ensuite, voici ton temple et voici la porte. Ta porte. Et il me fit connaître les dimensions, les matériaux et les travaux de Temple Gate. Suivant. Ah, c'est pas fini encore, putain. Et il me fit connaître les mains de ceux qui voudraient construire Temple Gate et leur visage et leur cœur. Leur cœur était rempli de crainte, mais leurs mains seraient consentantes et leurs yeux verraient la gloire de son royaume à venir. Ok. Ok, mais attendez. Avant d'aller ici, il y avait un autre truc avant, je crois. Alors attendez. Oh ! Peut-être en fait on va pas retourner là. Au revoir. Désolé. Je vais peut-être aller par ici alors. Je sais pas par où il faut passer. Il y a quelqu'un là. Il va me voir. Vous êtes gentil? Oh! Comment il s'est retourné? Oh, pardon! Crochet. Eh, t'es niqué, hein. Quoi? Oh! Shit! Pardon! Oh putain! Il s'est vénère! Oh, le mec, il a pété ça au calme et tout. Non. Non. Non, non. Laissez-moi tranquille. Merde, je peux pas... Oh, putain. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? En fait, regardez, il bouge plus dès qu'on les... Ah, si, il bouge. J'allais dire, il bouge. Putain, ouvre. Y'a pas un crochet là? Si. Mais elle va péter la fenêtre ou je sais pas elle aussi. Ah non, y'a pas de fenêtre ici. Enfin, y en a mais ça va. Oh putain, c'est quoi cet endroit? Oh! Attends, je lis! Non! Je peux lire? Je peux pas lire! Quoi? Tu veux quoi toi? Mais laissez-moi tranquille! Oh, c'est bon, je crois qu'on a trouvé la sortie. C'est bon? Je peux lire tranquille? Oh putain, c'est pas fini encore. Oh. Laisse-moi tranquille là. Putain. Oh, t'as des piles toi? Ok. Je peux respirer tranquille 2 minutes? Parce que j'avais un truc à lire là. Et je l'ai perdu. Le chemin qui mène à la mine. Oui, ta gueule. C'était lequel? 63, 64. Je crois que c'est celui-là. Hein. Texte lisible. Je proclame la putain de Laird qui nous conduit à l'infestation. Je proclame le scorbut de Laird qui nous conduit à la damnation. Je proclame le perfide de Laird qui nous conduit à la
contamination. Je programme la tromperie de Lyand qui nous saigne jusqu'à l'anéantissement. Je programme la chance de le chancre de Lyand qui nous nourrit jusqu'à l'extinction. Je programme le Sic Semper Evelo Mortem Tyrannis. Ok, c'est du latin, ça, je comprends rien. Ok. Par contre, comment on se barre de là, là? Alors, je vais ouvrir. Attention. Oh! Oh! Tu veux quoi, toi? Non, mais c'est des barjots ici. Quoi? Quoi, non? Casse-toi! Casse-toi! Oh! Shit! Cours! Quoi? Attends, il y a quelqu'un qui me poursuit avant. Non, c'est bon? Oh! Il se passe quoi là? Je savais même pas ce que je regardais. Une sorte d'enfant. Oh! Hey! Mais laisse-moi tranquille, je regardais la vidéo là. Putain, mais... Quoi, regardez furtivement, quoi? Quoi? C'est bon, je suis tranquille. Ah, mais deux minutes, laissez-moi respirer, là. Tu veux quoi, toi? Casse-toi avec tes yeux, ta bouche et tout, là. Tu fais peur. Putain. Et j'ai plus de piles. Génial. C'est génial. Enfin, les enregistrements. Alors... C'est bon, je peux regarder. Même pas ce que je regardais. Une sorte d'enfant difforme. Ah, mais je vois pas bien là. J'ai mal filmé à cause de ce PD là. Putain. On peut passer là? Oui. Mais du coup, j'ai dû oublier plein de trucs à cause de ces cons là. J'entends des. Putain, il y a des. On va voir ce qu'il y a le sens et c'est super aussi ça. Oh putain. Oh shit! Non! Ah! Quoi? Oh! C'était quoi ça? Prends tes lunettes! Prends la caméra vite! Des piles! Vite! Faut des piles! Oh mais sérieux quoi cet épisode? Oh, ce jeu! Y'a pas des piles là? Ah si. Vas-y vite. Ramasse. Prends la pile. Voilà. Pars-toi de là maintenant. Allez. Ok. Quoi? Oh! Bonjour! Je t'avais pas vu toi. Faut aller où du coup là? Oh mon dieu, quoi? Oh c'était là! J'étais derrière moi. Et du coup on va voir où est-ce qu'il y a le truc difforme, je sais pas quoi là. Quoi? Oh, oh. Ah mais je sais pas ce que vous avez là mais... Ça fait peur quoi. Quoi? Oh putain j'hallucine! Quoi? Nous avons trouvé le Christ. Oh! Oh! Non! Mais non! Mais arrêtez! Non! Faut faire quoi? Faut que je fasse quoi là? Toi. C'est bon, tu me vois pas? Oh mais ce jeu quoi. Stop. C'est bon, je suis caché là. Tu me vois pas. Oh putain, il est là. Toi. C'est pas Martha ça. Oh. Il est là. Je l'ai vu. Pareil, je crois.
écoutez, c'est pas barré du tout. Tu peux partir, s'il te plaît? J'aimerais sortir, là. J'aimerais me casser de là. Oh, mais c'est quoi ce truc? Attendez, je vais zoomer dessus, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a quoi sur... Oh! C'est quoi ça? Oh, c'est dégueulasse! Il lui indique où est-ce qu'il faut aller et tout. Eh, mais je sors pas de là, moi. C'est mort. C'est mort. Oh. Vas-y, tente un sprint. On s'en bat les couilles. Non, 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 non. C'est pas le moment de se... Oh. Je peux plus courir. C'est pas le moment de te soigner. Vas-y, cours, 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 cours. Faut aller où? Là. Oh, bonjour. Ah ouais, mais... Oh putain, ils sont... Ah, il est en train de me bouffer. Oh. Eh, hey, mais ils sont combien? Il y en avait un autre qui m'attaquait aussi. Oh putain, je sens que ça va être... Oh, je sens que ça va être galère, ce passage-là. Attendez, est-ce que j'ai pris la pile qui était là? Oui, c'est bon. Non, 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 je suis caché. Je suis caché. Je suis caché. Je suis caché, là. Oh, ça va être galère, ce passage. Oh! Bonjour. Pourquoi tu te déplaces? Tu bouges de bizarrement là. Il est là. Ah, mais c'est quoi ce truc là? Oh! Tu me vois pas là. Vas-y, 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 vas-y. On se va jouer au Splinter Cell, MGS. Oh putain, fais gaffe. Pourquoi tu viens par là alors? Aller autre part là. Oh shit. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 non. Allez, cours, 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 cours. Mais quoi, c'est bloqué? Mais faut que je fasse quoi? Faut que j'aille où? Oh! Aïe! Faut que je fasse quoi? Faut que j'aille où? Faut... Putain, mais... C'est pas le moment! D'être fatigué là, cours! Fallait que je fasse quoi là? Vas-y, soigne-toi vite. Oh, il me tire dessus! Putain! Il faut aller où?
Ça me saoule là. La porte elle est bloquée, ok, mais. C'est marrant. Ah là! Je l'ai pas vu, désolé. Vas-y, avance vite! Oh! Non! Oh, je suis dans les. Oh non, je suis dans l'école encore. Oh non. Non, c'est bon, c'est bon. Putain, non. On a vu un monsieur aussi là. Par ici, Blake. Jess! Non! Reviens! Quoi? Oh! Oh là là, cet épisode, mais ce jeu. Oh. Quand j'ai dit que celui-là, il était moins pire que Outlast 1, désolé quoi. Oh, oh il est beaucoup plus pire. Oh, niveau stress là. Oh, je suis pas bien. Là, j'ai envie de m'arrêter là. Non. J'ai pas envie d'avancer là. Je suis pétrifié là. Je veux aller ici, c'est plus chaleureux là. Quoique. Putain. Bon bah on avance hein, écoutez. S'il y a un truc qui tombe sur la gueule. Ouvrir. Jessica! T'es où ma chérie? Non, ma chérie, Céline. Elle est passée par là, je crois. Nous sommes pas seuls. Oui, ça, je sais qu'on n'est pas seul. Tu me l'as dit plein de fois, je sais. Quoi? Pas aller ici? Non. On peut passer par-dessus, là. Non? Ah, il y a une vitre, j'avais pas vu. J'ai déjà envie de m'arrêter là, sérieux quoi, on est qu'à 30 minutes là, j'ai l'impression que ça fait une heure qu'on est dessus là. Sérieux. Et non Kero, tout va bien se passer, il va rien avoir là. On peut passer ici. Là non plus je suis sûr. Ah si. Oh des toilettes. Je vais faire caca, reviens. Excuse-moi Jessica, j'ai une besoin pressante. Bonjour. Il y a des piles. Ah, oh, il y a quelqu'un qui a fait pipi là, il a oublié de tirer la chasse. C'est dégueulasse. Ah, ça va. Oh. Tout noir, il fait un petit peu sombre ici. Dédicace à Iceman, encore une fois. Que dalle ici. Ouais. Après, ça continue là-bas. On va fouiller ici. C'est trop calme. J'aime pas ça. Oh, quoi? Utiliser. Oh, je l'avais ça avant sur mon ancien PC pour les anciens, ceux qui connaissent ça. Je sais plus sur quelle version de Windows c'était, mais ça y était en écran de. Je sais plus trop quoi là. On peut zoomer. J'ai fait sortir Mademoiselle Gray de la classe d'éducation physique aujourd'hui afin d'avoir une petite conversation avec elle. Perloulra, je sais pas quoi, s'inquiète du fait qu'elle soit un peu trop sensible pour. Personne. Je sais pas si c'est intéressant. Ah si, il y a des trucs intéressants, attendez. Son propre bien, j'en doute pas, pauvre fille. Je sais que vous avez rencontré son père. Et sa grande personnalité, ce qui est arrivé à sa mère, est une véritable tragédie que Dieu et son âme. Quoi qu'il en soit, le père pense que cela ne serait pas une bonne idée de laisser Jessica participer à l'excursion de l'usine de piano. Je suis plutôt d'accord avec lui. Elle présente les caractéristiques d'un enfant prêt à fuguer. En plus de cela, la signature de son père sur la feuille de permission est gênante. Tant il est évident qu'elle a falsifié. Ouais, c'est ça, falsifié. J'ai donc besoin de votre permission pour suspendre cette autorisation. Nous la plaçons d'étude à la bibliothèque pour ce jour-là. Shelly, conseiller d'orientation.
putain, j'ai eu peur. C'était une petite délinquante alors, Jessica. C'est une petite délinquante. Faut aller de quel côté là? Oh. Oh, des piles. Mmh. Je pense que c'est de ce côté-là, il reste que ici. Mais c'est un cul-de-sac, quoi. Ouais, il va falloir ressortir et puis il y a un screamer qui va me sauter dessus, c'est sûr. J'entends des bruits. Pas rassurant. Oh, ça pue, ça. Faut que j'aille où, là? Non, là, c'est des toilettes, on a déjà été. Y'a plus rien ici à faire. Non. Screamer, attention. Faut faire quoi, là? Ah, c'est bloqué, ok. Bloqué. Ici, ça va être bloqué. Et donc, du coup, je suis bloqué. Ah, j'ai dû oublier un truc. Encore une fois. Putain, j'ai l'impression que c'est... Il n'y a qu'ici qui m'arrive d'être bloqué dans l'école. Chaque fois, j'oublie de faire un truc ou quoi. Il y a un truc que j'ai pas ramassé, je sais pas. Regardez de près. On peut faire un truc dessus ? Que ça, j'ai déjà lu ça. Oui. Du coup, il faut faire quoi là? Ça, on peut pas le pousser, non? Que faut-il faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'y a pas un accès quelque part. Passage secret. What the fuck? Je suis aveugle, hein, c'est pas possible. Ça, on peut pas le pousser. Ah, ici, j'ai pas été voir, je crois. Oh! C'est ça, j'ai pas été voir ici. Merde. Quoi, quoi, quoi? Oh! Tu pars pas? Non, j'étais en train de filmer. Ouvrir. Ah, je me disais, il y a un truc que j'ai pas vu encore. Change la pile vite. Il y a des piles là-bas, j'ai vu. C'est quoi cette musique? Ah, si on pouvait faire le plein de piles ici, ça serait bien, quoi. Ça, derrière ça, il n'y a pas des piles, non? Ah, désolé, avec le stress et tout, j'oublie à chaque fois de pas bien fouiller. Donc du coup, j'ai un petit peu galéré encore à trouver où est-ce qu'il faut aller. Puis bon, moi, l'orientation aussi, ça fait deux, vous le savez. Trop de portes, là. Ah, mais il y a des piles. Ça fait plaisir, par contre. Parce que là, clairement, on est en manque de piles. Là. Clairement. Merde. Oh, mais il y a combien de portes là? C'est infini le couloir. Ah, des bandages aussi. Ça, il nous faut. Ah, une salle qui est éclairée. Est-ce que ce serait pas là qu'il faudrait aller? Je sais pas. Non. Non, non, non. Ah, on y arrive. On y arrive, enfin. Et on n'a toujours pas eu de screamer à la gueule. Ça va arriver, c'est sûr.
Encore des piles, oui, ça c'est bon ça. Donc, bonjour. Quoi? Ah, c'est la musique qu'on entend souvent, ça. Je peux venir chanter avec vous? Peut-être pas, en fait. Bonjour. Ah, une note. Ah, non, c'est pas une note. Le père, tout, donc ça, c'est le truc du pendu encore. Strangle. C'est étranglé, strangle, je crois. Enfin, je crois que c'est ça qui est marqué. Hop, voilà. Ok. C'est quoi ça? Oh! C'était sûr. Il y avait une chaise comme ça et tout. Enfin, c'est pas une chaise, c'est un escabeau. Du coup, il faut monter là. Vas-y. J'ai peur. On est où là? Vous êtes sérieux? Où est-ce qu'on est là? On est dans un tronc d'arbre. Ok. On est retour dans le monde normal, entre guillemets. Alors, est-ce qu'ils sont là, les. Oh, bonjour! Vous êtes qui? Est-ce qu'il y a l'autre qui va me galocher encore, là? Oh! Gollum! Bonjour! Que Dieu et son prophète Nod soient loués! Putain, t'es moche! Dieu soit loué! Ah! Pardonne-moi, Seigneur! Oh, l'autre, il est dégueulasse, l'autre! Oh, qu'est-ce que tu fais? Ouvre sa bouche, Nick! Quoi? Non! Non, non! Ah! Ah, c'est dégueulasse! Ah, mais t'es. Mais t'es fou! Oui, je suis pur! Laissez-moi tranquille là! Quoi, le messie galeux? Ah! Fuck you, messie! Transubstancié! Il n'a pas encore vécu sa renaissance! De quoi tu parles? C'est un barjou ici! Quoi? Quel croix? Non! Je suis pas Jésus, moi! Oh! Oh, la patate qui s'est pris! Non! Mais laissez-moi! Mais. Paroles sacrées de son enseignement. Il sera cloué à la croix. Mais non! Je suis pas Jésus! Je m'appelle Blake! Dans une chair plus parfaite. Et nous mangerons cette chair dans la sainte communion. Oh! Et serons guéris de nos péchés physiques. Et nous irriterons cette terre. Putain, mais vous êtes tous barjou. Tu vois, nous avons tout préparé. Tout est prêt pour toi. Quoi? Ah, c'est gentil, mais moi je veux pas rester pour le souper. J'ai des trucs à faire, moi, s'il vous plaît. Je voudrais partir. Tu es censé avoir un évangile à partager pour nous guider dans notre salut après la fin. Mais t'es moche, dégage, tu fais peur. La vérité, tes conseils, nous avons longtemps souffert en t'attendant. Eh bien, mon vieux Nick, je crois que nous ferions mieux de planter ces clous. Non. Attendez. Oh putain. Putain, c'est quoi ce jeu? Bien. C'était pas si mal, non? Je peux pas faire un truc là, je peux pas me sauver. Nick, donne-moi ça. Putain, je peux rien faire, c'est quoi. Une caméra? Non. Non, non, pas ma caméra. Bien entendu. Comment pouvais-je ne pas le voir? Un Christ moderne utiliserait une caméra? Pas un livre? Voici notre évangile. Comment ai-je pu ne pas le savoir? Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de toi.
Il n'y a aucune souffrance que je ne mérite pas. Il va péter notre caméra, son PD là. On va se retrouver sans caméra, ça va être génial. Enfin, vous allez me dire, comme dans Outlast 1, à un moment on était sans caméra aussi. Hein. Donc là, peut-être ça va être le moment. Je dois étudier ces enseignements. Plante l'autre clou et accroche-le. Non. Ma caméra. Non, parce que je peux me retrouver sans ma caméra dans ce jeu, non. Mais évanouis-toi pas, toi. Putain, mais lui... C'est vraiment une balle trinque, ce mec. Désolé, mais... Oh! What the fuck? Ah, ils m'ont carrément mis sur la croix et tout. Putain, mais c'est vraiment des barjots, quoi. Oh, mais ce jeu... C'est un truc de ouf, ce jeu. J'ai jamais vu ça, dans un jeu d'horreur. C'est... Wow. Ah, ça va faire mal quand tu vas retirer tes mains là, toi. Aïe. Là c'est pas moi qui bouge, c'est lui qui bouge tout seul. Ah, là ça va être moi. Allez, vas-y. Ah putain, ça fait mal. J'ai mal pour lui là. Putain, j'ai mal aux mains. Ah, ça fait mal. Ah, putain. Il a plus de mains là. Soigne-toi. On se retrouve sans caméra. Oh là là. Oui. Vous n'avez pas de bandage? Mais j'en ai pris dans le truc. Je peux pas les utiliser. Ah, peut-être qu'ils m'ont tout pris, peut-être. Ah, mais comment je vais faire là? Vous êtes sérieux? Oh putain. Vous êtes sérieux? On a combien de minutes? Oh putain, on est déjà à 45 minutes. Bah écoutez, on va se laisser là. Je pense que ça a dû sauvegarder, j'ai pas fait gaffe. Mais je pense que oui. Hein. Donc on va se laisser là. Et le prochain épisode, il va nous falloir des bandages. On est sans la caméra. Ça promet les amis, ça promet. Ouais, donc on va se laisser là. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça aurait été encore un épisode de malade mental encore. Oh, mais ce jeu, désolé d'avoir critiqué ce Outlast 2 qui était moins bien que le 1, mais là il est en train de surpasser le 1, là c'est un truc de dingue quoi. Oh là là. Ça va être encore des trucs de ouf là à venir. Et aussi n'hésitez pas à me dire si j'approche de la fin aussi, ça serait vraiment, vraiment cool à vous dans les commentaires. Et aussi n'hésitez pas à laisser vos petits pouces bleus, voilà, à chaque fois ça fait plaisir. Et on se retrouve lundi pour le prochain épisode, ouais. Et puis d'ici là, portez-vous bien les amis, c'était Kero, et on se dit à la prochaine. Allez, salut.